un verre de marché. Enfin, le live est peut-être, semble être parti. Parce que je n'ai pas de retour. C'est génial. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Moi, je vais bien, mais j'ai pas de retour. Super. J'aime trop Twitch, je vous jure. J'ai aucun retour. Bon. Allez, on va faire comme si tout marchait bien. Donc, du coup, petite vérification du micro. C'est bon, il est bien branché. Bonsoir à tous et à toutes, c'est GG. Bienvenue sur Geek City. On se retrouve pour le 6ème épisode de ce Let's Play de Battlefield 5. On continue là, on s'est arrêté totalement dans la dernière partie. Durant la dernière vidéo. Alors. On a fait la moitié de cette mission-là. Non. Voilà. Je vais encore me tromper de touche. Donc, il y a de ce côté. Voilà, je me suis trompé de touche, c'est génial. Si je passe par là, est-ce que là... Non. Ouais, faut vraiment. C'est bon, ça marche. Non, il faut que je passe par là, obligé. On va monter là-bas. J'ai sauté avant, c'est pas grave, tout va bien. On va essayer en passant par là. Où est passé le... Ok, bon, je sais qu'on va réussir. J'ai pas trouvé l'alarme. Oh, il s'est failli tomber. Allez, l'alarme. Okay. Mais non, mais vas-y, j'avais réussi. Mais non, mais j'avais réussi. Ah, c'est relou.
Alors quand je fonce un tas comme ça, sans me procurer l'alarme en premier lieu, j'y arrive. Et là quand je m'occupe d'avoir l'arme, j'y arrive pas. Twitch sur l'ordinateur. Ça a pas l'air de bien marcher, ça, c'est pas grave. Est-ce qu'on va arriver à finir cette mission? The kitchen. J'aimerais vraiment la finir quoi. J'aimerais la finir ce soir comme ça un peu avancé sur tout ça. Ah mais deux fois en plus. Ok, là je vais occuper du pont. D'accord. On va lancer. Bouge. Bon, alors attends. C'est vrai, personne. Ein Pferd!
Boden! Ja, sie sind verwundet! Ich zeig's euch! Sofort einer zu eurer Position! Na, der einfach geil, genial. Mais non, mais non. J'ai un peu plus. Det må være kajen som ble nevnt i planen. Jeg vil ikke mer bli. Hallo! Bon. J'ai un petit souci. C'est bon. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Mais je me suis pas rattrapé, mais non, mais quelle... J'aurais pas dû quitter la page. Ah, mais c'est pas possible. Allez, on est reparti. Que je peux bien monter en haut. Ah, ça fout les boules, j'y étais presque, quoi. Allez, au fond. Mais non, mais... Aïe, en plus je tape sur la jambe, j'ai mal aux pieds et tout, mais c'est horrible. J'y arrive pas. Bah, j'y arrive plus, ça y est, j'y arrive tout à l'heure. J'allais bien arriver là, ça y est, je... Ouais, mais utiliser des leurs, même, c'est bon, ça m'a saoulé ça aussi. Ça sert à rien, quoi. Du tu sais. Det må være kajen som ble nevnt i planen. Alors?
mais je suis tout coincé, j'ai rien compris. Allez, bon, j'espère que je vais y arriver cette fois-ci. Ça m'énerve parce que j'arrive pas, je suis en train de douter. Allez, cours, Forest, cours. Saute, saute pas. Ok, c'est, j'ai toutes les plumes qui arrivent. Génial. Bon, j'y arrive pas, ça m'énerve. Hey, j'ai plus pour sauter, saute pas. Det må være kajen som ble nevnt i planen. Même en cherchant une, même en faisant une recherche, ouais, je vois ce que ça, ça rame aussi. Bon, c'est pas grave, ce sera un point que je mettrai. J'essaie d'avoir discrètement. Voilà, je suis caché. Thank you.
J'ai pas vu Lyon. Attendre pour passer. C'est bon. Il y a plus. Oui, il y a encore. Pas me partir. Souhaitez le point de rendez-vous des envahisseurs. Voilà, un œil évident. See. J'ai un peu de dents. Personne avancé. Je vais comme ça, j'ai l'impression d'avancer plus rapidement. J'ai au moins une sensation de vitesse là.
utile. Il est sur la... Ouais, bah... Oh. Qu'est-ce que vous dans le bunker? Je finis jamais cette mission. Ok, on a une alarme ici. Allez, là, le bunker. Voilà. Don't want us, Galt. Just go. Monsteret. Det er et våpen. Mamma. Ja. Monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det til oss? Eller britene? Dette er en makt. Du kan høre deg hos alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ja! Ja. Ich weiß nicht, wer. Okay, so ein Dusch. Okay. Sehr, sehr. Ja. Utiliser les canons de transport de lourds. Ça met du temps à charger la page Twitch. Je sais pas pourquoi ce soir ça a décidé de ramer un peu, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, ça rame. Pardon.
carré. D'avoir éteint cette... le malin. Voilà. Les munitions. D'accord, c'est pas signé encore. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Ey, wie wir? Elle va faire exploser de ce marin. Loulou est l'élément central de la construction d'une arme atomique allemande. Au printemps 43, l'opération de commando mit un terme à la production de lourds dommages. Aucune goutte de sang ne fut versée. Le grand projet, uranium allemand, a été initié. Bon, ben, on a réussi en deux, en quoi, en deux, trois, là, on a dû réussir en deux, trois épisodes. En avance. Le prochain pour bientôt. Le prochain Battlefield, du coup. Mais je m'en doutais qu'on était à la fin. Qu'on était à la fin de cette séquence. Ouais, maintenant je comprends, c'est divisé en trois parties toujours. C'est dommage, les campagnes sont divisées en trois parties, quoi.
Et tu sais que quand t'as rempli les trois, tu sais que t'arrives à la faire. Si je trouve ça dommage. Le jeu, on a commencé hier. Hein. Oui, on a commencé hier, donc on a fait quoi? Attends, quand est-ce qu'on a commencé? Je sais plus, ça a commencé en début d'après-midi. Ou alors, ah non, mais après en début d'après-midi, je l'ai pas. Je crois que je l'ai pas fait. Je sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on a commencé le jeu. Mais ça a été rapide parce que c'est déjà le 6ème. Sachant que j'en ai fait 2 ce matin, donc c'était le 4-5. Cet après-midi. Ouais, j'en ai fait. Ouais, je commençais hier. Tirailleurs. Ça sent l'avion, ça. Battez-vous lors du débarquement oublié. Débarquement oublié, l'opération Dragon du sud de la France. Libérer une patrie que vous n'avez pourtant jamais vue. T'aimes les tirailleurs. Ouais, un mode normal, c'est bon. Pour vous. Province, France, automne 44. La bataille pour l'Europe a commencé. Ah, ils ont fait ça, ils ont fait le grand. Après, succès de l'opération Overlord sur les plages ensanglantées de la Normandie, l'opération Dragon entame une incision mortelle depuis le littoral du sud de la France. 500 000 soldats alliés venus du monde entier pénètrent dans un pays occupé depuis une demi-décennie. Oui, 5 ans. Bien qu'elle souffre d'un manque de ressources, ses fortifications et l'artillerie allemande dominent le paysage. L'ennemi est prêt. Il va se battre à chaque barrage, à chaque place forte. Berlin se trouve à 1500 km. 1500 km ? C'est pas loin. Soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ah ben c'est en français. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Ah. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une Afrique. Que vous ne connaissez pas. Comme c'est de ouf ça. C'est le premier archi, tirailleur, ouais, c'est tirailleur. Venu d'Afrique du Nord, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, mais à l'unité. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout d'être. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme. Elle est trop jolie. Ça tient quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout?
c'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Alors, ça m'a fait mal. Hey, hey, il faut garder ton calme. Joue pas l'héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Allez, ça c'est le vrai. Raconter n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Vous me croirez peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai. Et que ce qui est vrai n'est pas toujours écrit. Les Français n'ont pas fait l'erreur comme avec la bataille. Hein, oubliez les Français. C'est fini, ils reprenaient la première guerre mondiale et ils avaient totalement occupé les Français. C'est que j'ai une de front qui doit. Il fallait plutôt. Vas-y. J'ai un moment normal en plus. Des messes, il avait même pas 30 ans. 25 exactement. Mais il est né, il est né un an après la première guerre mondiale. C'est né en 1919. Ennemis repéré. Ok. Des munitions, si j'en ai plus. C'est tout, je suis pas loin avec ça. Hein. Oh,
biche, madame. Ma bonne lettre. Mais vas-y, je tire dessus. Voilà, je vais galérer avec pour le début. Avec pour le début. Ça avance comme là, je suis en train d'avancer. Je pense que demain soir, on a fini. Demain soir, au pire, samedi, en début d'après-midi, on la calme. Des pièces de campagne minuscules face à la guerre, une autre fourmi va se faire écraser. Mais moi, je me répétais tout. Non, tiens, avec quoi? Pas moi, je suis d'aimer, je suis d'aimer, et Dieu me viendra. Tu es une démerde, toi, oui. Subjugué par la beauté du jeu, je me dis, ben, en même temps, c'est certainement, ça a certainement arrivé que du coup, je sais pas si je dois être choqué de ce qu'on voit, donc d'étonnement, ou être ébahi par la beauté du jeu. Bon, je vais vous, mais je sais pas, par l'atrocité qu'on voit de ce qui a été vraiment la Seconde Guerre mondiale. Autant que la première aussi.
tirailleurs n'étaient pas toujours bien équipés. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Voilà, j'y suis. Je me disais, d'aimer, faut trouver quelque chose. Je vais mourir. Trouve un moyen pour que ça marche. De night. Détruire le canon sauvera des vies, de vraies vies. Ah, c'est concret. Ouais, c'est je suis vraiment prêt à détruire le camion. On sait qu'on fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Ok. Ok, je n'ai pas compris. Vas-y, j'arrive juste, ça se détruit maintenant, quoi. Bon, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un petit peu la galère pour moi pour avoir les retours, du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Le pouce bleu de l'amour, bien sûr, si vous avez aimé. Si vous aimez toujours le contenu, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, vous cliquez sur rejoindre plus la cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous très rapidement sur YouTube pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et on se retrouve d'ici quelques minutes sur Twitch pour la suite de Battlefield 5. C'était ici, j'ai pour Geek City, et je vous dis à la prochaine. Ciao.